Pour nous, c'est des beaux décors. Belle musique. Bah, comme sa définition, c'est un cinéma flou. C'est-à-dire, il y a tout ce jeu sur la double lecture de l'image, sur une enquête qu'on suit, avec le personnage principal du film, c'est l'enquêteur, mais en fin de compte, c'est l'assassin, le vrai personnage principal du giallo. Pour nous, un giallo, c'est un film fou, excessif. Excessif dans l'esthétique. Dans l'érotisme. Dans la violence, dans la psychologie des personnages qui sont tous borderline, qui sont tous proches de la folie. Du coup, ça se ressent dans les décors, qui sont tout le temps, il y a toujours un raffinement dans les décors, dans le langage cinématographique, avec des éclairages baroques, des cadres très travaillés, très particuliers. Dans même les vêtements, les coiffures. Pronto. Pronto. Nicole, c'est tout. Si. C'est un cinéma un peu malade, un peu fou, qui en fait fait transparaître toute l'originalité de l'assassin, l'identité de l'assassin. Hein? Oui, c'est vrai. Pour moi, le giallo, c'est un peu comme le western italien. C'est un genre où la mise en scène est la prima donna. Aussi, donc très inventif. Ouais. C'est-à-dire que toujours dans cette mise en scène, dans la mise en image et en son, Dans le montage dans le aussi. montage, enfin dans tout le processus, il y a une espèce de, comment dire, de liberté de mettre en scène de manière osée, d'y aller à fond, de tenter des choses, de tenter de nouveaux cadrages, de nouvelles lumières, voilà, d'essayer des choses dans le cadre d'un film qui est populaire, voilà, mais il y a des choses qu'on voit pas dans d'autres films. Oui, sauf dans peut-être le western et dans quelques Polichinelle, mais c'est particulier à ces films-là, cette manière de mettre en scène avec des cadrages étranges, avec une musique superbe, mais inédite, avec oui, un montage rapide, des fois on dirait de l'expérimental, Ouais, c'est vraiment. un mélange de cinéma de divertissement et de cinéma plus artistique, on va dire. Ouais. Et c'est ça, un bon giallo, c'est quand il y a les deux, on va Ouais, dire. voilà. C'est vrai que quand tu parles de Rob Grier, ou même si on pense à Chelsea Girl d'Andy Warhol, c'est la même esthétique que les giallos, ou les films de Clouseau, L'Enfer, tu retrouves tout cet univers-là, toute cette recherche-là. Ouais. Et c'est ça qui est chouette dans le giallo, c'est que c'est un cinéma de genre, un cinéma populaire, mais Qui qui se a... permet des envolées expérimentales. Ouais, qui viennent de ce genre de film-là. Et Ouais. donc c'est vraiment un cinéma qui mélange deux genres de cinéma. Bah, d'ailleurs, c'est ce que disait Argento quand il a commencé ses films. Il voulait faire un cinéma qui était un mélange de cinéma d'auteur et de cinéma populaire. Et le giallo, c'est vraiment... Ouais. C'est un peu l'identité, l'ADN du giallo en fin de compte. Et puis aussi dans le giallo, il y a quelque chose de particulier, c'est que justement ce côté fétichiste, il est très fort. Et ce côté fétichiste fait qu'il y a une iconographie hyper forte, par exemple, surtout par rapport au personnage de l'assassin, qui est comme ça masqué, tout en cuir, qui tue à l'arme blanche. Ça fait que c'est des images très fortes. Quand on filme l'assassin, c'est très fort, et c'est très presque symbolique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir abstrait, et qu'il y a moyen de le détourner
de prendre ces codes qui sont précis et de les d'en faire autre chose du coup. C'est vrai que le personnage de l'assassin, c'est une icône du giallo, et moi à chaque fois à la fin des giallo, quand il enlève le masque et qu'on voit son visage, tout d'un coup il redevient un être humain, il perd toute sa splendeur et son côté fantastique, onirique, et à chaque fois c'est le petit moment où je suis déçu quand je regarde un giallo. Et tu vois, et c'est en ça que aussi, un bon giallo, c'est quand les personnages, t'as pas de bons personnages, ils ont tous une folie, tu vois, c'est comme Madame Ward, Edwige Fenech, elle a des fantasmes complètement barrés. Dans un autre film, t'as je pense par exemple à la révélation d'un maniaque sexuel à la police, le personnage principal laisse un moment tuer sa femme, donc chacun a une part d'ombre, que ce soit le bon ou le mauvais. Le bad guy ou le héros. Pour nous, Mario Bava, c'est le père du giallo. Moi, je citerai quand même aussi Il Telefono, Il Telefono, qui est dans Les Trois Visages de la Peur, qui est le court-métrage, enfin, c'est sur 20 minutes, il a développé une séquence de téléphone aussi, qui est aussi une séquence, une des scènes clés du giallo ensuite. C'est-à-dire qu'avec six femmes pour l'assassin et la fille qui en savait trop, il a posé les bases. Pour nous, la fille qui en savait trop, c'est le fond du giallo, et six femmes pour l'assassin, c'est la forme. C'est-à-dire qu'avec la fille qui en savait trop, on retrouve le côté enquêteur amateur qui a donc été témoin d'un meurtre, d'une image qu'il a pas bien décryptée et qui, à la fin, il va comprendre ce qu'il a vu exactement, il va découvrir l'identité du tueur. Il y a ce côté l'étranger qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas. Et il y a le côté d'un tueur en série qui est complètement fou. C'est pas du tout un tueur qui est intéressé par un héritage ou par quelque chose de pécunier, mais c'est vraiment un psychopathe. Et avec Six femmes pour l'assassin, c'est la forme, c'est-à-dire tout le look du giallo, avec le look du tueur, avec son chapeau, les gants en cuir noir, l'imperméable. Il y a donc ce côté séquence de meurtre, c'est comme, je dirais pas que c'est un film porno, mais je veux dire, t'as les séquences de meurtre, et c'est ça qui construit le film. Et donc, à chaque fois, c'est un meurtre différent. Et donc c'est très travaillé esthétiquement, surtout là au niveau de la lumière. C'est les lumières, ouais. Ouais. Vraiment les lumières, le décor aussi, le décor baroque. C'est très expressionniste après au niveau de la lumière et des décors, et même au niveau de tout ce qui est les vêtements, l'accessorisation, tu vois, l'imperméable rouge et tout ça. Ouais. Et donc il y a dans le film quand même une séquence qui est... on va dire séminal, c'est la séquence où t'as la femme qui se fait tuer dans la baignoire. Où t'as donc une des figures incontournables du genre la séquence de baignoire ou de douche, avec l'ouverture du rasoir avec les gants en cuir noir. Et donc là, c'est vraiment une séquence clé. Et donc, en fait, Mario Bava, il a posé les bases, et après, bon, de notre point de vue, Dario Argento les a sublimées avec L'oiseau plumage du cristal. Il a mélangé, comme s'il avait mélangé les deux films. Et on va dire que Bava, au niveau des meurtres, c'était surtout, après, au niveau de l'atmosphère, des éclairages, de l'esthétique. Et Argento, il amenait un peu plus avec, dans le meurtre, avec le découpage, avec beaucoup de gros plans, etc. Et après, Argento, il a surtout travaillé cette ambiguïté de l'image. Il allait plus loin avec... où c'est pas un ressort scénaristique, mais c'est carrément dans l'image qu'avec Profondo Rosso ou avec L'oiseau plumage de cristal, que tu as un détail de mise en scène qui fait que tout le film bascule via ce détail de mise en scène. Thank you.